Les amis, je vais commencer par couper mon steak. J'ai environ 400 grammes de steak ici. Je le coupe, les amis. C'est la bonne taille. La bonne taille, vous voyez? Donc, à partir d'ici, les amis, je vais prendre le steak et le mettre dans mon bol, d'accord? Je vais ajouter ici, les amis, 2 gousses d'ail, une cuillère de paprika, une cuillère à café de michou, une cuillère de sel. Ici, ma mesure, c'est la cuillère à café. Vous voyez, les amis? La moutarde est facultative, les amis, d'accord? Oh, maintenant, on va bien remuer. Remuer, les amis. Regardez comme cette viande devient belle. Eh, les amis, tout est bien mélangé, bien assaisonné. Maintenant, voilà, les amis, je vais la mettre dans ma poêle à frire. L'huile de ma poêle est déjà bien chauffée et nous allons la faire frire. Remuons. Les amis, ça sent si bon ici à la maison. C'est magnifique. Eh, les amis, maintenant je vais le retourner. Et maintenant nous allons laisser l'autre côté frire, n'est-ce pas? Oh, les amis, ma viande est déjà frite. Elle est déjà frite des deux côtés. Maintenant je vais mettre de la sauce soja dessus. Les amis, la sauce soja, si vous l'aimez, vous pouvez en mettre. Si vous ne l'aimez pas, vous n'en avez pas besoin non plus. Je vais mettre un oignon tranché ici et je vais laisser cet oignon ici, les amis, se déshydrater un peu. Oh, sur la viande. Eh, les amis, l'oignon est déjà bien doré, n'est-ce pas? Je l'ai mélangé à la viande. Maintenant, ici, les amis, je vais éteindre le feu et transférer cette viande dans ce récipient ici. Les amis, cette viande est si belle. Eh bien, les amis, mettons cette viande de côté et venons préparer notre sauce, d'accord? Je vais mettre une cuillère de beurre ici, d'accord? Une cuillère à soupe. Vous voyez, les amis? Laissez-le se dissoudre un peu. Maintenant, je vais ajouter ici une cuillère à soupe de farine de blé, et nous allons bien remuer. Remuer un peu, ok? Jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Et je vais ajouter 500 ml de lait ici. Je vais l'ajouter petit à petit, les amis. Continuons à mélanger. Ça avance bien, n'est-ce pas? Maintenant, je vais mettre un peu de noix de muscade, les amis. Elle donne un si bon goût, si délicieux, une odeur extra. Maintenant, les amis, je vais ajouter 2 cuillères de fromage ricotta ici et nous allons remuer. Cela va devenir très crémeux. Oh, les amis, je vais ajouter 200 grammes de fromage. Mais si vous voulez en ajouter plus, vous pouvez le faire. Vous devez bien remuer jusqu'à ce que le fromage fonde complètement. Un peu plus de fromage parce que je veux qu'il soit un peu plus dur, alors j'en rachète. Vous n'avez pas idée, les amis, l'odeur est incroyable. Eh, les amis, c'est prêt, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons mettre sur notre viande. Maintenant, les amis, je vais ajouter le persil vert sur la sauce si vous voulez. Maintenant, il est temps pour nous de l'enlever.